Eh bien, salut tout le monde, c'est Farage. On se retrouve pour ce nouvel épisode dans les donjons d'Héliodore, puisqu'on s'est fait arrêter parce qu'apparemment on est le mal, et le mal c'est pas bien. Alors, bah écoutez, écoutez, objectif, arrête un peu. Nani? Calme tes ardeurs, ce n'est pas en faisant des histoires que tu arrangeras la situation. Non, je suis pas content, je suis pas content, je veux sortir d'ici, laissez-moi sortir! Moins fort, tu veux. Pense un peu à tes voisins. Will you keep it down in there? Most folks they throw in here have the decency to wait a while before going stir crazy. What are you in for, anyhow? You don't get free bed and board down here without having done something pretty bad. Wait, did you say the luminary? You're serious? You're telling me the luminary has just shown up in the cell next to mine? This is crazy. One plate of delicious gruel for a gentleman in the dungeon suite. Come and get it. The luminary. You're serious? So it's all happening just like the seer said it would. We'd better get out of here. Attends, tu m'as toujours pas dit ton nom? Bon. Ok. Wait here. Don't worry, I didn't kill him. But he won't be waking up anytime soon. Things will get pretty hairy up ahead. You'd better take this. Merci. Oh, and I found this in a corner over there. I guess it's your stuff, right? Me? I got this little beauty back. So now I'm pretty much on... Un voleur, donc. Bah pourquoi pas, hein. Tin-headed friends come knocking. Holler when you're ready to move out, okay? Chef, oui, chef. Alors j'ai gagné une épée. Non, c'était juste pour le pour faire genre l'épée, c'est ça? Ok. Ok. D'accord. Je voulais essayer, mais non, effectivement, je ne peux pas aller par là. Ça, c'est fermé. Ok, bon bah écoute mon gars, allons-y alors. I spend ages digging this hole and you just happen to show up the day I finish it? Heck of a coincidence. Guess I really was meant to help you out, just like the seer said. Anyway, there'll be time to talk about all that later. In you go. Bon. On dirait que le voisin de cellule de Farage n'a pas chômé. Descendre dans le trou. Oui, monsieur.
Alors, on aura donc un voleur avec nous pour commencer. Bah pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, pourquoi pas? The sewers, huh? Well, there must be a way out somewhere. Lead the way. I got your back. Et non, hein, il n'est pas considéré comme étant dans l'équipe. Bon, bah allons-y. On a la carte, on n'a pas la carte. Aha! Une herbe médicinale, la porte est verrouillée. On peut allumer les torches? Non? Porte verrouillée. Au hasard, porte verrouillée. Oh oh! Quelle coïncidence! Il va y avoir des gluants, j'imagine. There they are! You lot, over here! Damn it! We'd better make ourselves scared. Non! Non! Pas moi! C'est lui, il m'a menacé et il a dit qu'il fallait que je m'en aille parce que sinon il allait me tuer! Bon, là il y a quelqu'un. Oui, là il y a quelqu'un aussi. On va où? On est encerclé! Éteins cette torche et suis-moi. Comment j'éteins la torche? Magie! Tiens, 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 tiens. Oh là là, cette discrétion digne de Metal Gear! Pam pam pararam, pam pam pam! Oups! Non! Tu vas. Mais non! Mais. Oh, d'accord. Ok, c'est pas grave. Alors, combat. Lui, il combat tout seul, très bien. Voilà, évalue la situation. C'est très bien. Et toi, goûte à la puissance de l'éclairé! Katon! Gokakyo no Jutsu! Voilà. Who else wants some? Bon, 8 points d'XP, ça veut dire qu'en gros, c'est vraiment pas la peine de les affronter, ça ne rapporte strictement rien. Alors, la dernière fois que tu m'as dit suis-moi et que je t'ai suivi, ça m'a valu un combat, hein. Passé. Il y a un petit air de Zelda Ocarina of Time. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi avec le passage où on devait éviter les gardes pour aller dans la cour où il y a la princesse Zelda. Alors, on peut traverser ce pont. Passe en premier. Ok. These guys don't give up, do they? On s'y habitue, je trouve, aux voix anglaises, hein. Seriously? Et là, l'éclairé est mort. Fin du jeu. You okay? Looks like we shook the guards at least.
And that looks like a way out. Maybe our luck's about to change. Alors là, on a une statue pour sauvegarder et visiblement rien d'autre. Ok. Alors, une voix résonne au loin, blablabla. Ouais, je vais sauvegarder. Un dragon, rien que ça. Wait, there's something there. Et c'est normal qu'il y ait un dragon sous Héliodore? Enfin, moi je dis ça, mais. Vous la sentez venir, la quête annexe? Plus tard, faudra tuer ce dragon. Allez, fuyons! Non! Gentil, gentil dragon, gentil! Là, tu as pas le choix, de toute façon, tu sautes, hein. Well... Allez, on bouge. Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas, tra la 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 la. Pardon les monstres, là, je suis sûr qu'ils sont faits pour nous ralentir, si jamais on les touche ça va déclencher un combat et puis peut-être ça va nous ralentir. Donc rester au milieu, ça me semble une bonne idée. Oh, des gluants gris. Des torches. Les torches sont des monstres maintenant. Has it gone? Phew, that was way too close for comfort. Je suis d'accord. What's that thing doing under the castle anyway? Well, whatever. We should get going. Uh-oh. Just, I don't know how much more of this I can take. Huh? Huh? Oh, c'est une blague. Ah, me and my big mouth. Move. Uh.
Oh, looks like our luck finally ran out. Ah bah non, tu sautes là. There they are. We've got them. No way back, huh? If they catch us, we're dead meat. Hold. Let's do this. I believe in you. I believe in the Luminary. I don't have much choice. Et on fait quoi? Come on. Let's not do anything. The name's Eric, by the way. Enchanté, Eric. Ça, c'est bon, on l'a déjà vu. J'attends un peu pour être sûr, mais on l'a déjà vu, on est bien d'accord, hein. C'est étonnant qu'ils la remettent là. Oui, c'est bon, c'était celle du début. Allez, on passe. C'est bon, j'enregistre mes pérégrinations dans le journal. Up, lazy bones. Come on, up you get. Finally, I was worried we'd lost you for a minute there. You've been out cold ever since we jumped. But what a jump it was. I closed my eyes, put my faith in the Luminary, and somehow didn't get smashed into a thousand pieces. In fact, I woke up on the forest floor at the bottom of the cliff without a scratch on me. Anyway, I guess you and me must be at the top of the King of Heliodor's most wanted list by now. Which means we can't hang around here too long. Let's go say thanks to the nun who looked after us and be on our way. Bon, bah allons-y. Donc, nous avons réussi une évasion audacieuse. Très bien. Et on est où, là, en fait? Bas-fond d'Héliodore, la Malgrove. Donc, on va aller dans la Malgrove, j'imagine. J'imagine que la prochaine fois qu'on ira à Héliodore, on s'infiltrera par les bas-fonds. Je pense que ça va fonctionner comme ça. Alors, bonjour madame, merci pour votre aide. Ah, there you are, my children. I trust that your friend here is fully recovered. Oh, don't worry about him, he's just fine. Et thanks for looking out for us. Not at all, dear. I'm just happy to see you both well again. But if you are leaving, you must be careful on the road. It seems some dangerous criminals have escaped from the capital and are at large some... Criminals, you say? Dear me, that doesn't sound good. And you heard this when you were in Heliodor. I did indeed, my child. There were guards everywhere. They are searching high and low, and I heard that the mighty knight Sir Hendrik himself has headed to the mountains in the south with his troops. They say... Oh, but you must forgive me, poor lambs. I did not mean to alarm. They will soon be caught, I am sure.
justice will be done. And until... Thanks. We appreciate that. We're going to get a little fresh air. We have a few things to discuss. Ouais, j'imagine qu'il voudra revenir à Cobalta. Cobblestone, eh? Never heard of the place. I never even knew anyone actually lived in those mountains down south. Is that really where you're from? I'm guessing you want to go see what's happening down there. But you need to be smart. You won't get past Hendrik unnoticed. If you're going to make it there without getting caught, you'll need to avoid the main road. And if you want to do that, you'll need my help. I know every back road there is to know in these parts. But I've got things to take care of in Heliodor first. I left a little something in one of my old haunts downtown. So, are you coming along for the ride? I did help you break out of that dungeon, remember? Pas trop le choix, hein? But we can't have you bringing us any unwanted... Here, put this on and keep your face hidden. Otherwise, you're gonna get nabbed as soon as you set foot in Heliodor. That's more like it. If you're gonna be a wanted man, you might as well look the part. Right. Let's head north and hit town. Glad you're coming along. The seer told me to stick with the luminary when I found him, and that's just what I'm going to do. Ok, donc maintenant Eric fait officiellement partie de l'équipe. Parfait. Alors, un combo d'équipe est une aptitude incroyable pouvant être utilisée par deux personnages de l'équipe au minimum. Si au moins l'un d'eux est en état hypertonique, sélectionnez combo d'équipe dans le menu lorsque cette option apparaît afin de voir quelle aptitude dévastatrice vous pouvez déclencher. En fonction de la tactique définie pour chaque personnage, ceux-ci déclencheront automatiquement leur combo ou attendront vos ordres. D'accord, on verra le moment venu. Alors, voyons voir, qu'est-ce que tu as toi? Boomerang de boulot, d'où ça sort ça? Quand j'ai un boomerang avec moi. Bon, toi tu es plutôt un voleur, donc on va te laisser avec le poignard. Rien. Tenue de voyageur. Ok. Et rien de plus. Très bien. Donc faites voir maintenant du coup discussion d'équipe. You know, I've been thinking. Avant d'être juste de donjon, j'ai planqué un petit quelque chose dans les bas-fonds. Ok, ouais, ok. Une quête. Bonjour monsieur. Madame, pardon. Ainsi donc, ce type aux cheveux bleus s'appelle Eric. Il sait se défendre, il n'y a aucun doute. Tu aurais pu choisir pire comme compagnon de route. À présent, dis-moi, as-tu entendu parler des combos d'équipe? Ce sont des attaques spéciales que tu peux exécuter avec l'aide de tes compagnons. Pour faire simple, ce sont des combinaisons... Bon, ça c'est pour ta... J'imagine que c'est un tuto pour apprendre. Alors, j'ai le combo qu'il te faut. Je suis presque sûr qu'en combinant vos efforts, ton ami Eric et toi pourraient maîtriser votre une petite merveille, le leurre de pointe. Vous n'avez qu'à faire équipe et à le tester sur un pauvre monstre malchanceux. Ok. Ce combo d'équipe ne fonctionne que si ceux qui l'exécutent sont en état hypertonique. Lorsque tu es en plein combat que les monstres t'attaquent, tu réalises tout à coup que tu es parfaitement concentré et prêt à tout. Cela devrait suffire à te convaincre, j'en suis sûr. Ok. Alors j'accepte la quête. Je vais aller chercher un monstre dans le coin. Je vais juste faire le tour histoire de voir s'il n'y a pas voyez, un petit coffre, un petit truc caché, on sait jamais. Là donc du coup je dois aller plutôt à l'est. Okay. Je voulais pas aller dans le puits mais bon, admettons. Admettons, ok. Bon bah fouillons le puits, un coffre. Enfin je veux pas dire mais il est un petit peu à sec ce puits quand même. Je suis pas sûr qu'il ait une grande utilité. Alors un chapeau à pointe.
Eh, quand même, hein. Puissance magique, soin magique, défense, c'est pas mal. Pas mal du tout, même. Mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux le mettre à Enrique, qui lui n'a rien pour le coup. Parce qu'il a, alors, il a 18 en défense, et moi j'ai 26, ouais. Enrique. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Y'a pas un petit combat, un petit gluant, quelque chose? Alors, petite écaille, ok. Et là, il n'y a que des pots. Comment ces vases sont arrivés là? Alors, une peau résistante et rien. Bon. Bah écoute, c'est toujours ça de prix, hein. On a gagné quand même un chapeau qui est utile pour Eric. Allez, remontons. Ok, alors il me faut un petit combat. Bon, avant d'aller explorer la zone là-bas, là, il n'y a pas de cloche pour appeler le cheval. On ira une autre fois. Qu'est-ce qu'ils disent là? La Malgrove et Liodor. Ouais, on ira une autre fois. On va juste se faire un petit combat pour voir un petit peu ce que ça donne. Être en état hypertonique. Alignement. Ah, parce qu'il est... Ah non, alignement, d'accord, c'est pour choisir l'équipe combattante. Ah, on peut choisir l'équipe combattante à chaque début de combat. Donc en fonction du type d'ennemi, on peut choisir qui combat. Ça, c'est sympa. C'est une bonne idée, je trouve. Il attaque automatiquement, ça veut dire que je ne contrôle que le personnage principal. Suivre les ordres. Ah ouais, voilà. Non, suivre les ordres, je préfère les contrôler moi. Alors, je voudrais me mettre en état hypertonique. Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se défendre. On va les laisser m'attaquer. Allez, on continue à se défendre. Alors après, la question c'est, est-ce que pour être en état hypertonique, il faut que je prenne des dégâts et que mes HP soient faibles, ou est-ce qu'il faut juste que je me fasse attaquer? On verra. Bon, on va déjà tuer. Ouais, mais en même temps, me faire attaquer. Alignement. Ah, on peut changer même pendant le combat. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Bon, bah écoutez, on verra. Allez, pour l'instant, on combat. Et quand je serai en état hypertonique, je testerai, on verra. Mais du coup, attendez, peut-être dans. Hexagramme, c'est quoi? Développer la force des membres de votre équipe en attribuant des points de compétence. Ah! C'est à partir de l'hexagramme que vous pouvez utiliser vos points de compétence pour apprendre de nouveaux sorts et aptitudes aux membres de l'équipe, mais aussi améliorer leurs caractéristiques. Une fois une case spécifique déverrouillée, les cases adjacentes deviennent disponibles. C'est comme un espèce de sphérié à la FF10, quoi. Alors toi, je vais... Vu que t'es un voleur, on va augmenter les trucs de poignard pour l'instant. Donc, puissance d'attaque au poignard plus 5. Ok, sinon il y a quoi? Ah, ça c'est boomerang, donc ça qu'on s'en fout. Ruse, vole les objets à un ennemi. Ah ouais, mais ça, ça peut être intéressant. Par contre, 8p, j'en ai pas. Et lame de feu, fend l'ennemi avec une épée incandescente. Oh, c'est peut-être, je vais peut-être prendre ça en fait. Chance de coup critique, morsure du cobra. Oh, quoi. Non, non, allez, on va prendre ça. La puissance du poignard augmente de 5. Ok, ça on sait pas ce que c'est. Déverrouiller en apprenant 4 compétences adjacentes. Ok. Alors du coup, je peux commencer peut-être à utiliser mes graines de compétences. J'en ai 6. Et ben on va... Allez, on va les utiliser sur mon perso. Hein. 4, 5, 6, voilà. Trier par type.
légèrement les soins magiques, la puissance magique, ça j'attends un peu avant de les utiliser, et puis j'ai rien de particulier. Ok, donc divers, hexagramme. Alors moi, maîtrise de l'épée. Ouais, mais je peux pas commencer encore, maîtrise de l'épée, c'est trop loin. Et les compétences de l'éclairé, qu'est-ce que c'est? Ah, chance de devenir hypertonique plus 5%, ouais. Ah, mais il en rumite. Fuck. En double garde, ouais. Lame de feu. Bon, ben, je vais attendre parce que je vais prendre ça. Chance de devenir hypertonique plus 5%, je vais attendre. Allez, un petit combat. Bien joué. Pas d'hypertonique en vue. Ok. Alors, nouveau sort appris. Ça c'est bien. Et 3 points de compétence. Très bien. Premier secours, ok. Alors, chaque fois qu'un membre de l'équipe passe au niveau supérieur, il reçoit un certain nombre de points de compétences. Ok. Utilisez vos points de compétences, oui. Du coup, hop, 5% de chance d'avoir l'hypertonique. Parfait. Bon, après, ça, c'est des attaques. Ok. Bon, ça a l'air d'être quand même un bon magicien, le perso, hein, une espèce de mage guerrier. Je voudrais juste revoir un truc. Astuce du voyageur. Au combat. L'art de la tactique. Voilà. Appuyez sur triangle dans le menu tactique et déterminez si un allié peut utiliser les combos d'équipe automatique ou non. Choisissez de ne pas utiliser, ils continueront à agir selon la tactique qui leur est assignée. Non. Bah si, c'est ça. Ces paramètres peuvent être également modifiés. Oui, mais comment je deviens hypertonique? Divers ah bah tiens, midi médaille. Une personne spéciale qui sera ravie de vous débarrasser des midi médailles. Ok, bon ben on verra. Sur le terrain, bah rien de particulier. Ok, bon ben on verra. On verra hein, quand je vois devenir hypertonique. Mais du coup si je fais tactique, admettons. Ou alors tous. Agir avec sagesse. Opter pour un délicat équilibre entre attaque et défense. Laisser l'ennemi dans l'expectative grâce à un savant mélange d'aptitude et de sort. Pas de PM, soit avant tout sur le. Non, bah non. Non, bon, bah écoutez. Au combat. Ça fait quand même plaisir d'avoir un bon vieux jeu de combat au tour par tour. Hein. Ça me manquait. Ta protection ne servira à rien, vermine. Another one bites the dust. Ok, bon, ben on va continuer et on va aller direction les bas-fonds d'Héliodore. Je vais faire quand même quelques combats sur le chemin parce que l'avantage des combats comme ça, c'est que. Enfin, des ennemis apparents sur la carte, c'est qu'on peut vite les éviter, les combats. Mais l'inconvénient, c'est qu'en les évitant, on a tendance à pas trop XP. Donc, je vais quand même faire attention à ça. Pas me faire avoir. Et puis en plus, comme ça, je gagne des PO. Et ça, les PO, c'est important. Ah.
Allez, on y arrive. Donc dites-moi en commentaire hein, si j'ai bien compris, pour être hypertonique, en gros... Ah ben voilà. Bon, c'est un peu au pif alors. D'accord. Si un personnage est la cible d'attaque répétée ou subit un certain... certaines épreuves, il finira par devenir hypertonique. Un état d'effervescence, nanana, rien est éternel, ok. Ah ouais, parfait alors. Du coup, comment je fais pour utiliser la compétence... tactique, parce que aptitude, mais là si je fais attaque, ouais voilà, donc il faut que ce soit Eric qui devienne hypertonique, c'est ça, je vais voir un peu magie, Eric il a rien, mais donc, comment je peux faire, caractéristiques, Eric connaît aucun sort, aucune aptitude. Attendez, attendez, il y a quelque chose qui m'échappe là. Où est-ce que c'est les trucs des quêtes? Catalogue de quêtes. Un guerrier vous a demandé de venir à bout d'un monstre en plaçant un combo d'équipe bien placé. Passez en état hypertonique pour montrer à ce monstre que le leur de pointe... Ah mais il faut que les deux soient hypertoniques. C'est ça? Oh, j'ai été un peu vite, j'ai pas bien saisi. Il faut que les deux persos soient hypertoniques? Alors lui, il y est. Mais l'autre ne l'est pas. Donc là, apparemment l'hypertonique, ce qui est bien, c'est que ça reste d'un combat à l'autre. Ça c'est bon à savoir. Alors je vais attendre un peu. Allez, allez. Tu es pas hypertonique. Bon, je vais prendre le risque que l'état hypertonique disparaisse, mais... Tu abandonnes ta position défensive, ouais. Allez, on va prendre le risque, on va essayer. Alors le problème, c'est qu'il faut qu'il attaque le bon. Bon, ça dure un certain temps apparemment. Ou alors ça ne s'épuise que si j'attaque, peut-être. Ok, super. Voilà, développe ton ki. Combo d'équipe, l'heure de pointe. Détourne l'attention d'un ennemi en lui infligeant un coup d'épée avant de frapper dans le dos lorsqu'il s'y attend le moins. Ok. Soy. Pas mal. D'accord, donc il faut que les deux soient en hypertonique, c'est bon à savoir. Alors, Eric passe au niveau 6, 2 points de compétence, très bien, je veux pas les utiliser tout de suite, non. Alors, retournez au soldat, retournez voir le soldat. Alors, retournons voir le soldat pour valider la quête. Ça me donnera un collier d'or que je pourrais potentiellement équiper à Eric, donc c'est pas inutile. Ok, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce que dans cet état là, hypertonique, alors je sais plus si ça s'appelait hypertonique dans Dragon Quest 8, mais il y avait un truc un peu pareil, sauf qu'en fait on pouvait concentrer, il y avait un item dans le menu qui permettait en le sélectionnant de concentrer son ki, on va appeler ça comme ça, et du coup d'entrer dans cette espèce d'état hypertonique. Alors c'est bon, j'ai réussi, ok. Oui, j'y suis arrivé, blablabla, donne-moi ma récompense, allez. Alors, collier en or. Il existe d'autres combos d'équipe, mais je les apprendrai plus tard. Ok, alors, équipement. Chaîne en or, ça augmente les PV, la défense et le charme. Allez, va pour ça. Ok. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a quand même fait pas mal de trucs, c'était plutôt sympa. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Allez, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Salut tout le monde.